Bonjour les amis, donc aujourd'hui on a préparé un bon petit thé. Alors comme vous l'avez vu, c'est un thé vert, casse-noisette, chez Tea Heritage. Je vous en reparlerai un petit peu plus sur une autre vidéo de tout ça. Vous allez voir, c'est pour les personnes qui aiment vraiment le thé, vous allez être ravis. Voilà, en tout cas, le thé vert casse-noisette, il est super bon. Donc je voulais partager ça avec vous. Et puis également aujourd'hui, on va partager une petite présentation de tarot. Franchement, cette fin d'année, elle a été pour moi synonyme de découverte au niveau tarot. C'est assez impressionnant parce que je peux rester des années sans avoir vraiment de coup de foudre, même plutôt être déçu. Et là, cette fin d'année, j'en ai eu, enfin des petits coups de cœur et puis des coups de cœur un peu plus importants. Bon, le Metamuse, on en reparle, désolé, mais ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Ce jeu, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un autre jeu qui vient d'apparaître en cette fin d'année que j'ai été acheter moi-même. Je veux dire par là que je ne l'ai pas commandé sur un site, j'ai été le voir. Je l'avais repéré à la FNAC. Je l'ai pris, je l'ai regardé, mais je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Même si on peut apercevoir quelques cartes sur le dos de la boîte. Je me suis dit, ce jeu, il faut quand même que je le sente. Je ne peux pas l'acheter comme ça sur les plateformes comme Amazon, tout ça. Du coup, je l'ai reposé. Et puis j'ai été dans une autre boutique où on pouvait ouvrir la boîte, regarder les cartes, les toucher, toucher le livret, enfin le petit livre qui accompagne les cartes. Et là, je me suis dit, c'est bon. Voilà, j'ai pris le temps de mûrir, en fait, au niveau de ma réflexion. Est-ce que je le prends, je le prends pas? Je l'ai reposé, je suis rentré chez moi, j'y ai repensé. Finalement, ben, il s'est retrouvé devant mon chemin avec la possibilité de le toucher. Et j'ai adoré ce jeu. Alors, je vais vous le présenter. Alors, le seul bémol, on va dire, c'est au niveau de la boîte. La boîte est parfaite. Elle est en dur. Elle est très bien. Par contre, je ne comprends pas le système du fait que ça s'ouvre par le bas, comme vous pouvez le voir. Et là, il n'y a pas les cartes. Je l'ai depuis peu, mais bon, la logique veut qu'on attrape une boîte comme ça. Voilà. Enfin, voilà, si elle est posée, je l'attrape comme ça. Je ne me rappelle plus qu'elle s'ouvre de cette façon. Du coup, vous êtes sûr qu'avec les cartes, là, tout tombe. Voilà. Moi, honnêtement, j'aurais préféré que ça se fasse par le haut. Ça aurait été beaucoup plus facile à manipuler. Et plus judicieux, sans avoir à tout le temps... vous voyez, il n'y a pas les jeux... Il n'y a pas les cartes et il n'arrête pas de s'ouvrir comme ça. Donc, c'est voilà, faut penser à vraiment mettre ses doigts en dessous pour pouvoir attraper le jeu. Sinon, vous allez vous retrouver avec toutes les cartes par terre. Donc ça, c'est vraiment le bémol de ce jeu. Pour le reste, aucun souci. Alors, déjà, bon, voilà, la boîte. Hop. Dans cette boîte, on a une autre boîte qui est... je trouve que c'est pas mal. Qui est vraiment une boîte beaucoup plus petite, vous savez, les boîtes vraiment... bon, c'est vrai qu'à la longue, elles peuvent s'abîmer très rapidement, mais je trouve que c'est toujours bien de l'avoir mise. Voilà, ça permet de, si on veut mettre le jeu dans une pochette, ben voilà, c'est beaucoup plus pratique avec une petite boîte comme ça que la grosse boîte en dur. Donc, voilà. Je vais vous présenter vite fait... le petit livre qui, ma foi, est très... bon, j'avoue que comme c'est un jeu qui est quand même pas mal basé sur les correspondances planétaires, élémentaires, astrologiques, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de renseignements. Bon, on a juste ça par carte, plus des mots-clés, donc c'est vraiment très très peu. Bon, à partir de là, on peut rechercher sur d'autres bouquins, sur les correspondances, voilà. Mais bon, voilà, c'est en couleur. On a vraiment plein de pages de l'illustration pour les majeurs, un petit peu plus petit pour les mineurs. Bon, ça, c'est déjà bien d'en avoir, on va dire.
avec quelques explications sur comment fonctionne le jeu, et puis des petits tirages vite fait, voilà. Moi j'ai déjà écrit plein de choses dessus. Parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, j'étais très, enfin ces derniers temps, non, ça fait un petit bout de temps déjà, j'étais très remarqué, très, j'étais très attiré depuis ces 2 dernières années. Oh là là, bon. J'ai remarqué que depuis ces 2, 3 dernières années, j'étais très attiré par tous les jeux qui avaient les correspondances sur les cartes. Sans m'en rendre compte, en fait, c'est celui-là qui m'a ouvert les yeux et je me suis dit, bah tiens, encore un, le Metamuse, c'est comme ça, le Bilin, c'est comme ça, l'Oracle du Soleil, c'est comme ça, le Symbolon, c'est pareil. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que je dois peut-être travailler ou peut-être m'aventurer un petit peu plus dans dans les correspondances pour encore mieux comprendre les cartes. Voilà, donc à voir. D'ailleurs, petite parenthèse, je voulais vraiment tous vous remercier pour la vidéo juste avant celle-là. Vous l'avez très très bien accueilli. Je me suis aperçu que vous avez beaucoup apprécié le fait que je vous présente mon panier avec tous mes jeux actuels. Alors, quand j'ai dit que c'est mes essentiels, forcément, c'est mes essentiels du moment. Enfin, du moment, il y en a qui sont là depuis un très très long moment, mais il y en a peut-être certains qui vont un petit peu bouger et laisser la place aux autres. Voilà. Et je voulais vous remercier parce que vraiment, vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Donc ça me fait plaisir, merci beaucoup, c'est très très gentil de votre part, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur en tout cas. Et ben, je vous en referai d'autres sur d'autres thèmes, etc. Voilà. Donc c'est reparti. Voilà le livret. Alors moi je mets tout dans des pochons, comme d'habitude, je les boîte. Voilà. Alors, je vais vous présenter le jeu. Alors, à la base, le jeu est présenté avec des tranches cartonnées, des tranches neutres. Ben, moi, ça ne me gêne pas du tout. La preuve, c'est que j'ai pu faire les tranches en noir. Je crois que j'ai oublié un petit endroit là. Donc, ben, je suis super contente parce que ça rend bien. Le jeu est un peu brillant. Voilà. Ce qui peut sur le noir déranger certaines personnes parce que comme vous pouvez le voir, ça fait des traces de doigts. Moi honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà, c'est comme ça. Hein. Bon. Ceci dit, les cartes sont de très bonne qualité. Donc vous voyez le dos est tout noir avec un petit liseré qui entoure tout le contour de la carte. 3 petites étoiles. Voilà, c'est sobre. Voilà. Et je vais vous présenter les cartes. Donc les cartes sont vraiment, c'est marrant parce que elles sont sur un fond noir. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément les jeux sombres, mais je trouve que grâce aux couleurs qui sont très chatoyantes, comme on dit, ça donne beaucoup de chaleur à ce tarot. Je vais vous les présenter en vous expliquant. Voilà, je trouve que ça fait un jeu très très chaleureux. Alors, le jeu idéal pour l'automne, le jeu idéal pour l'hiver, peut-être moins idéal pour le printemps et l'été. Bon, moi honnêtement, ça me dérangera pas, mais je peux comprendre qu'effectivement, voilà, c'est un petit peu des cartes assez foncées. Mais ceci dit, vous voyez, par exemple celle-là, moi je trouve qu'elle est, même pour le printemps, elle est super agréable. Le fond est noir, certes, mais regardez les couleurs. Franchement, ce jeu a de très très belles couleurs. Regardez le dégradé sur le bleu du ciel noir, enfin du ciel bleuté. Voilà la reine de bâton, forcément toujours avec son chat. Son chat n'est jamais vraiment bien loin. Et comme vous pouvez le constater, on suit quand même pas mal le rider. Le rider Waite Smith, n'oublions pas. Voilà, il y a quand même. Ça suit quand même pas mal le symbolisme du rider. Donc, je trouve qu'il est très facile à appréhender. Regardez les couleurs. On ne peut pas dire que ça soit un jeu sombre. C'est vraiment un jeu. Oui, effectivement. Ouais, c'est un jeu. Comment dire?
C'est un jeu qui est, je trouve, hyper reposant. Vous savez, on disait ça de l'oracle bleu, qu'il était très reposant à l'œil. Eh ben, je trouve que c'est exactement la même chose pour celui-là, sauf que bon, ben, on n'est pas dans le bleu. Et moi, ça me plaît beaucoup plus qu'on soit dans ces couleurs-là que dans le bleu. Je suis pas fan du bleu. Couleur un peu trop froide à mon goût, mais voilà. Là, je trouve que le. Comment dire? Il y a un juste équilibre, voilà, entre le côté sombre du fond de carte et les couleurs, très, quand même, qui sont assez marquées, hein, sur les illustrations, sur les dessins. Alors, c'est des couleurs marquées, mais pas pour autant des vieilles couleurs fluo. Vous remarquerez qu'on est surtout dans des couleurs très chaleureuses, très chaudes. On est dans du orange, on est dans du jaune. Même les couleurs bleues ou vertes c'est assez atténué. Voilà. Mais je sais pas, ce jeu dégage, je trouve, beaucoup de chaleur. Et beaucoup de. Bah, de lumière en fait. C'est peut-être bizarre à dire, mais voilà. Donc je voulais vous le présenter parce que c'est vraiment un jeu. Alors vous voyez, oh, j'arrive plus à parler, ça commence bien. Vous avez les correspondances. Alors sur cette carte, voilà, on a les signes astro, les planètes. Là vous voyez, on a les éléments. Donc tout ça, ça se travaille. Hein, mais ça apporte vraiment. Alors c'est vrai que quand on n'est pas très attiré sur les tarots, ça peut être très compliqué. Mais franchement, quand on se met à travailler avec les éléments, avec l'astrologie, avec la numérologie, avec les planètes, enfin avec toutes ces choses qui parfois sont très présentes dans un tarot, vous pouvez pas imaginer à quel point on va en profondeur dans la signification de la carte et surtout comment on la comprend. Bon, on sait tous que, par exemple, la justice, c'est la balance, l'empereur, c'est le bélier. Donc déjà, on a quand même des petites notions comme ça. Mais après, quand vous allez un petit peu plus loin, vous vous apercevez qu'il y a plein d'autres cartes. Déjà, toutes les majeures correspondent à une planète ou aux 12 signes astrologiques, donc c'est quand même, c'est pas rien, et ça nous permet, franchement, moi je commence juste mon apprentissage dans ce domaine, j'ai toujours reculé, parce que je me disais, ça m'a l'air compliqué, je comprends rien, bon, c'est pas simple, faut le dire, et la carte, comme ça, elle est belle celle-là, c'est le diable, avec les constellations sur certaines cartes. Alors c'est vrai que c'est pas simple, mais une fois qu'on se lance un objectif et qu'on se dit allez je vais apprendre ça, honnêtement, pour celles qui sont attirées bien sûr, c'est passionnant. Vraiment. Moi j'ai commencé là il y a quelques jours parce que je me suis dit ça fait trop de jeux que j'aime beaucoup, qui me suivent pour certains depuis très longtemps, comme le Béline, l'Oracle du Soleil, le Symbolon, c'est des jeux que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai toujours repoussé ce moment. De liaison avec les correspondances. Parce que ça me semblait tellement flou et compliqué, voilà. Et là, avec ce jeu, c'est comme s'il venait me dire, bon allez, hein, il est temps de t'y mettre. Hop, 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 on y va. Donc c'est du boulot, c'est clair, mais c'est super intéressant. Parce qu'on comprend beaucoup plus le fonctionnement de la carte, c'est ce qu'elle veut dire. Et non, franchement, c'est. Voilà. Si vous êtes tenté, bah déjà, je vous conseille ce jeu parce qu'il est vraiment basé là-dessus. Et puis d'avoir quand même un livre à côté parce que le livret, franchement, on n'apprend pas grand-chose. Mais voilà. Le roi de bâton. Moi, je suis passionné par les couleurs. Donc, vous voyez. Les couleurs, on ne se retrouve pas avec un bleu qui fait mal aux yeux, ni un vert franchement, tout est très. C'est quand même des couleurs assez atténuées et qui se mélangent super bien avec l'orange et le jaune. Et ça n'en fait pas, regardez ça.
Ça n'en fait pas un jeu noir, quoi. On est vraiment. Et je trouve que grâce aux couleurs, on est encore. On se sent plus attiré pour aller vraiment dans les profondeurs astrologiques, par exemple. Comme si on regardait les constellations en regardant le ciel, voilà. La nuit, parce que forcément, la journée, on ne voit pas grand-chose. Donc je trouve que ce jeu se prête vraiment à ce travail-là. Regardez la mort, elle est magnifique. Voilà. On a le signe du zodiaque. Là, on a une constellation. Franchement, si vous êtes attiré, celle-là, elle est super belle, la reine d'épée. Alors, si on regarde bien, la reine d'épée, c'est un papillon. Puisque la reine d'épée, elle est quand même dans tout ce qui est transformation. C'est. Ouais. Franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de coups de cœur. Enfin, beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Hein. Mais beaucoup d'affilée au niveau des coups de cœur, là, ces deux dernières. Enfin, on va dire ces deux derniers mois. Franchement. Donc voilà, l'oracle du zodiaque. Pour moi, une vraie petite pépite pour l'œil et puis aussi pour l'apprentissage des correspondances en étant vraiment apaisé parce que les cartes sont très 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 sereines, très douces. Voilà. Donc si vous êtes attiré par ce genre de jeu, je vous le conseille vraiment à 200% parce qu'il est il est magnifique. Voilà, le dos. Si vous êtes maniaque sur les marques de doigts, par contre, ça va vous gêner, mais sinon, il est très très beau. Je prends une petite goutte de thé, si vous me le permettez, mes amis. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce thé, franchement, je vous le conseille. Oh, si vous aimez la noisette, mais c'est un pur délice. Vraiment. Voilà. Hop. Voilà, le tarot du zodiaque. Alors, voici les noms. Moi, je préfère vous les montrer que vous les dire parce que déjà, bon, voilà, quand c'est pas très dur, j'écorche tout. Donc, je préfère vous le montrer par respect pour l'auteur et l'illustrateur. Voilà. Pour moi, une pépite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, ben, on est le combien? Je ne sais plus. On est le 22. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, bah écoutez, Noël approche tout doucement. Hein, on se retrouvera, je pense, je vous ferai une petite vidéo le jour de Noël. En attendant, bah écoutez, bonne préparation pour les fêtes. Et puis, si vous préparez rien, profitez de vos cartes. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et je vous prépare plein de super petites choses pour 2023. Je suis un peu en avance, hein, on n'est pas encore vraiment. En 2023, mais ça arrive quand même. Et voilà. Allez, mes amis, à très bientôt. Bah écoutez, je vous laisse finir votre petite boisson et puis bah, éteignez la lumière en partant. Je vous fais des gros bisous. Ciao!